And that water slide does look inviting. Wait, huh? What is it? My height and hearing is picking up sounds of trouble. Over there. Hey, mon amour, t'as choisi ça pour ton anniversaire, ces chaussures? C'est pour ton anniversaire? Ok, fais voir comme elles sont belles. Waouh! Oh là là là! Alors, Frate Thiago, il avait le droit à une surprise aujourd'hui, parce qu'on l'a amené avec nous. Alors, qu'est-ce que tu as choisi, Thiago? Un plaster. Un quoi? Un plaster. Voilà! Mais tire dessus tous les autres. Allez, une bonne petite salade, un peu de lasagne, un anniversaire de Bubu, yes, une bonne milanaise. Are you ready, Angelina? One, two, three. Yeah. Tu kiffes là, hein? Alors Angelina, on lui a trouvé une méga princesse dress, donc une robe de princesse. Ah bah non, tant mieux. Et Thiago lui en a trouvé une autre. Et en fait, on lui a fait des cadeaux. Elle a choisi des cadeaux surprise. Donc pour le gâteau d'anniversaire, elle va avoir les cadeaux surprise. Et là, directement, elle a mis sa robe et elle joue avec son slime. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais avec ce slime? Hein? Tu fais quoi avec ce bon slime? Je mixe? Yes. Ok, mais moi, attention, moi, je suis malade. Tu sais ce que je vais faire, moi? Mmh. Voilà bien. Moi, carrément. Papa? Oui. Yes! Et les fratés, je vous jure que ça, quand j'étais petit, c'était l'un de mes dessins animés préférés. Si j'avais eu ça comme jouet, j'aurais vraiment été le garçon le plus heureux du monde. Mais ça n'existait pas avant. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais, papa? Tu attends quoi? Tu attends ton gâteau d'anniversaire? Oh là là! Il va arriver! Happy birthday to you! Wait, I want pictures! Wow! Wait, baby, wait! Wow! Allez, on y va! Wow! Tia, tu m'as dit quoi, Thiago? Ah, tu penses que tu lui as fait un plus beau cadeau que moi, Angelina? Qui c'est qui lui a fait une plus belle robe? C'est toi ou c'est moi? C'est toi qui as fait une plus belle robe? Ok, on va voir. Oh là là, papa! Wow! Look, wow! Regarde ici! Look! Bubu! Mermaid! C'est quoi? C'est quoi, ma bubu? Mermaid! Wow! Bon, mes frères, en tout cas, voilà. Désolé, j'ai pas trop snappé depuis alors. J'ai profité un max d'Angelina, même de Thiago d'ailleurs. Hein. On a passé notre après-midi à jouer. Entre temps, je me suis fait un peu masser, moi. Voilà, on a mangé. Là, ils sont au lit. Et demain, on va encore bien s'amuser. On passe un bon week-end. Et j'avais oublié de vous montrer ce qui s'est passé à la maison en nouveauté. Grosse, grosse nouveauté. Full dressing comme ça, là. Voilà, là, c'est le week-end. Ils ne peuvent pas le finir. Mais lundi... ça sera fini. Allez mes fratés, je me réveille, je vais me faire un bon café, je vais vous expliquer un truc de fou. Je me suis réveillé à 6h50, ok? À 6h50, j'étais vraiment en pleine forme, mais vraiment. Et j'ai dit, ah, je peux pas me réveiller à 7h, je vais être KO aujourd'hui. C'est dimanche et tout, je me sens pas, j'ai envie de me reposer. Surtout que j'ai enchaîné, j'ai pris des avions. Allez, retour, allez. À Paris, j'ai bossé, max. Bon, j'ai dit, vas-y, faut que je me rendorme. Mais j'étais en forme. J'étais vraiment en pleine forme.
Je me suis forcé à me rendormir, j'ai dû mettre 45 minutes à dormir. Là, je me réveille à 9h45, je suis KO. Ah, c'est un truc de fou. J'aurais jamais dû me rendormir. Bref, en tout cas, d'ici 20 minutes, là, on va partir avec les enfants. Je les amène au parc à jeux avec leurs copains. Alors, c'est dimanche, ils vont profiter. Hier, on a fait une belle journée. Aujourd'hui, on fait une belle journée. Demain, ils reprennent l'école. Je reprends le sport. Je reprends tout demain. Hier soir, j'ai attaqué la diète. Déjà, regardez ça. Un jour de diète, je suis plat. C'est vraiment magique ce que j'ai fait quand même. J'ai beau tourner, virer. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour une belle photo? Oui. Ok, bougez pas. Bougez pas. En tout cas, les fratés, c'est un truc de fou parce que sur la voiture, on m'annonce 40 degrés. Mais je pense que dehors, il fait au moins 45. Il fait pas 40. L'air, il est ultra chaud. Je sais pas comment expliquer. Il y a personne qui marche. Tu peux pas marcher là. Tu peux pas marcher dans la rue. Ah oui, il y en a une qui marche là. Bon, en tout cas, les fratés, j'ai hâte de reprendre le sport là. Je vous explique. Je suis carrément en train d'essayer de trouver un coach de tennis pour jouer contre lui. Je veux pas qu'il m'apprenne à jouer, je veux un copain pour jouer. Bon. L'année dernière, j'ai pas joué à cause de ça, parce qu'il n'y a personne qui voulait jouer. Donc là, c'est terminé. Je suis en train de me payer un ami. Je me paye un ami. Et j'ai carrément trouvé une tennis en salle. C'est grave ça. Se payer un ami pour jouer au tennis, pour faire du sport. Chopez-le! Vas-y, Mylan, chope-le! Vas-y, il est là! Il remonte, il arrive sur vous! Vas-y, Angelina, on y va! Il est là, il redescend! Il va le choper, vas-y, Bubu! Il arrive sur moi, il arrive! Allez, allez-y, il arrive! Il est là! Oh les copines! Qu'est-ce qu'elles font les daronnes? Oh, vous m'avez pris pour le serveur? Elles sont là, détentes, elles parlent, moi avec le café, pas le temps, là le fradé, voilà, qui on est?